Incroyable. Jamais c'est possible. Oui, c'est possible. Bonjour VED. On est sur pas du tout ce jeu là, High on Life, et on va le découvrir tout de suite. Mais non, le but c'est un petit peu Vendis de voir de découvrir un peu l'humour du genre, l'humour de ce jeu qui est censé être très présent. Donc si on met aucun bavardage, bah on risque de se faire un peu chier. Enfin, j'en sais rien en fait. Mais c'est vrai que cette musique déjà est assez ouf. Nous sommes sur du Banjé millésimé. Non, j'aime beaucoup. Mais pourquoi il me propose de... Bon, on fait le mode histoire. Franchement, j'ai pas... je vois ce jeu plus comme une découverte un peu originale, machin. Voilà, si on veut un shooter vénère, on a plein de choix sur, sur les internets. Buck Thunder. Buck. Mince, excusez-moi. Attendez, faut que je fasse une voix. Alors, Buck, on va la mettre là et on va faire ça. On va faire ça. Si je fais ça, c'est bien ça. Ok, il a une voix aiguë. En fait. Ah, Buck, c'est pas mal ça, Buck. Bienvenue à Buck. Ton ex-femme est de retour et plus méchante que jamais. Elle a lancé ses nouveaux petits copains assoiffés de sang à ta poursuite. Tue-les tous. Et le jeu est en QWERTY, évidemment. Buck, c'est moi, Phil, l'avocat de ton divorce. Tu sais comment te déplacer, hein. T'as plein de trucs à l'écran qui t'indiquent quoi faire. Allez, quoi, Buck? Attendez, il a dit « It's a game », c'est ça? Parce que s'il n'y avait pas écrit ça, hein. Tu vas devoir utiliser le double jump. Désolé, j'ai oublié, il n'y a pas de double saut. Faut juste accroupir. Oh non, c'est C pour s'accroupir, trop chiant, je déteste quand c'est C pour s'accroupir. Accroupis-toi, oui, comme ça, c'est bien. Putain de planification. Et le cadrage. Un putain de double saut. Moins important que s'accroupir. Mais putain! Reste sur tes gardes, Buck. Les petits copains aliens de ton ex-femme. Il ça parle trop vite! Oui, je shoot! Je shoot sur les petits copains aliens de mon ex-femme. Vite, tes enculés! T'es carrément cool, je suis tellement heureux d'être l'avocat de ton divorce. Tu veux savoir, t'es mon client préféré. Ok, Buck, ouvre cette porte. C'est facile, putain. Faut juste appuyer sur des boutons. C'est un tuto, c'est facile. Le début est toujours facile. Oh mon dieu, t'as réussi. T'as ouvert une porte. T'es un putain de génie. C'est mon client préféré, en fait. C'est moi, ton avocat. Oublie pas, Phil, l'avocat. Ton humeur. Wouah! Ça va être compliqué de tout vous lire. Je pense que je pourrais lire pendant les phases qui ne sont pas d'action. Pendant les phases d'action, je vais pas m'emmerder, hein. Il arrête pas de dire, c'est l'avocat, c'est ton avocat, Buck. Ils ont un instinct de ruche. Elles se les tapent tous. Le bol, hein, je te comprends. Que reste qu'à aller là-bas et... Explose ça, ouais. Bon, la tronche du jeu sera très différente après. Hein. Hey, open up. You gonna hide in there all day? Mom and Dad just left. Darren vient de partir. Ouais, c'est un gars qui joue aux chiottes sur son téléphone ou je ne sais quoi. On est complètement morti. Why didn't you say goodbye to mom and dad before they left for their trip? T'aurais pu dire au revoir à papa et maman et quitter les vacances, vraiment. C'est pas content, tu sais. Enfin, on a la maison pour nous tout seul maintenant. Oh my god, don't give me that. Ah, regarde-toi, t'es comme ça, t'es comme nous. T'es un bête que je fasse la teuf à la maison ce soir. Mais non, Summer. Allez, viens, ils sont partis une semaine, on peut faire ce qu'on veut. Here, come on, try some. Allez, essaye. Bien sûr. You know it's good for your depression, right?
Okay, c'est bien pour ta dépression, mais il y a test ce soir. T'es trop hâte. Faut que je fasse un texte à Jean. Un tambour au volant par ma personne. De quoi? La faillite. Oh, j'arrive pas à lire. Faut que je fasse quoi? Oh, je choisis, putain! Attends, calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui se passe avec ta tête? It's really fucked up. Her parents took away her car, which sucks because we could fit two kegs putain, in her trunk. Putain, j'arrive pas à lire, j'ai la fin de la phrase, elle a déjà changé. Oliver's boyfriend has it covered, which, by the way, they are... really not right for each other. Skylar saw them fighting in the Circle K last week, which I wish I was there because I love watching people fight, but they don't know that. I mean, they do know, but ah, they're acting like they don't know. But oh, finally, there you are. I felt like I was losing my mind. Perdu la tête. So, do you want any or not? Fine, more for me then. All right, I'm gonna go get ready for the party. Comment elle parle? This is gonna last me all week. It is powerful. Attends, ça va me durer toute la semaine. Super puissant. Laisse-moi jouer à mon jeu vidéo. Laissez-moi dans la chambre. Ouh, la sensie. Horrible. Manette. Paramètre de quoi? Hop là. Les bruitages, beaucoup trop forts. Ok. Désolée, on va encore changer. Ok, c'est pas mal. Ok. Bon, le jeu, je peux pas... Désolée pour les bruitages, je peux pas... Ah si, il y a signé touche, je veux bien mettre un QWERTY, je m'en fous. Par contre, s'accroupir avec C, c'est vraiment ultra contre-intuitif. Je vais mettre CTRL, F shift courir. Et le reste, c'est bon. Même si elle avait des cheveux corrects, t'étais là, on est d'accord. Ma sœur là. Allez. Mom told me I was in charge. She did it in secret, so it was your feelings. And Dad said that he doesn't love you. It was actually pretty messed up. De quoi, de quoi? Papa a dit qu'est-ce qu'il t'aimait pas? Maman, t'as laissé un message sur le frigo, va le lire. What? Attends, ça sort de nulle part qu'elle me dit. Ouais, papa, il a dit qu'est-ce qu'il t'aimait pas, c'était bizarre. What the fuck? Pourquoi papa il m'aime pas? Et j'ai une chambre d'ado aux USA Studio à Paris pour 1300 balles, mais exactement. Ça, le visage avec ta coupe. T'avais pas beaucoup des cheveux longs. Attendez, faut que je mette un petit réverb de Maman nous parle. Hop là. Petit réverb. Salut chérie. Ça aurait été gentil de descendre dire au revoir à ton père et moi avant qu'on parte. On espère que tu sais qu'on t'aime, mais on peut plus supporter que tu restes assiège aux jeux vidéo toute la journée. Tu devrais suivre l'exemple de Lizzie. Elle a déjà été acceptée dans 3 grandes écoles. J'espère que tu vas te réveiller. Pourquoi tu n'y réfléchis pas avant notre retour? Mom, love you. Sympa, hein? C'est comme message pour te rappeler que bah t'es quand même plus nul que ta sœur. Laisse-moi tranquille! Il y a des problèmes. On va visiter un peu la maison. Mais la maison est immense comme ça. You know what? Fuck you. Pas de faire foutre. Moi aussi, je peux jouer. Restez là et t'ignorer jusqu'à... Je vais répondre. C'est bon, je suis là et je bug. Oh, mais qu'est-ce donc que c'est là? Un flash spécial. Get down and stay quiet. On pourrait rentrer à la maison qui est juste derrière aussi, mais c'est pas grave. I knew aliens were real. Je savais que les aliens existaient. J'ai entendu un bruit là. Je peux pas vous traduire, c'est trop vulgaire. Moi, ce qu'ils disent, c'est trop vulgaire. Oh shit, look, it's Mr. Pilfrey. Monsieur Piffet, Pilfrey, il est atteint de, je sais plus quoi. Dementia. Nul que sa sœur qui se drogue, bah ça, ils le savent pas, ça. Hein. Oh my
Oh my god. What did they just do to Mr. Pilfrey? J'ai pas vu ce qu'il a fait. Il l'a bouffé par, par son bras. What the fuck is going on? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais chut, ah, il a parlé de la nouvelle Nintendo. J'avoue que ça m'intéresserait aussi. Oh, choqué, déçu. Ils sont venus là, ils ont mangé un gars, ils ont tué un de leurs potes et ils sont partis. Ah, oh, ça fait un énorme trou. Coming from that dead alien. Oh. Please be careful. Go. Il a trop des problèmes. Oh non, ce pauvre petit flingue. Ah, le flingue qui va cracher dessus. Oh my god, finally I'm free, thank god. Je suis libre, merci que je m'arrête. Listen, can you pull the inhibitor chip out of me? Putain, hein, hein, de quoi? Le truc en métal qui est foncé. Quoi? Un truc en métal foncé? Ça feels so much better. Ah, ça fait trop bien, merci. Pardon pour le crachage, je dois vous affecter pour la traduction. Je sais que ça a marché. Voilà mon nom, c'est Kenny, je suis un Gatlian. Je pourrais pas vous traduire tout. Il parle beaucoup trop vite. J'arrive à lire mais pas à traduire, enfin à lire à haute voix en même temps. C'est un jour de chance. Pour transformer ton espèce de drogue. Mais je comprends rien. Je peux pas lire à haute voix. Ouais, je vais les tuer. Désolé, mais faudrait que vous lisiez. Hein. Là, ça va trop vite. Do you really not know what button to press? Just keep hitting buttons. Ouais, je sais. All of them. One of them's gonna make me shoot. J'adore la tronche du major. Try pressing anything, go to smash them all. Is this your first fucking game? Fuck yeah, there we go. All right, first kill. Ouais, j'ai tué. Je tue. Je kill. Oh, j'ai fait full frag. Je peux les looter? Well, here you go. Et voilà, c'est une base de téléportation. Oh, je vais faire ça. Et tu devais les tuer, hein. C'est eux ou toi. Tu préfères survivre. Oh, le bordel. Oh là là, ils sont tous. C'est les porteurs devraient être KO. Continue jusqu'en haut. C'est pas ça, c'est passé comme ça, putain. La planète est condamnée, désolé. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait quoi? Ah oui, j'ai cassé ça. T'occupe pas des bips, pas de soucis avec les bips. Je veux juste dire que ça va bientôt exploser. Faut juste brancher ce truc sur le courant. Ça peut s'y éviter chez toi. Tu vis dans ces huttes. Allez vite, bouge. Quoi. Je pense que le son du jeu est un peu fort par rapport à ma voix, je vais baisser. C'est énervant, hein. Ok. T'as rien changé, hein. Ok. Supportable. Ah oui, j'ai pas capturé le jeu. Bon, voilà, je vais baisser là-dessus. Attendez, j'ai pas capturé le jeu, je vais faire tout de suite des os. Voilà. Ok.
dirait la map de Nocturne, de Call of. Tu peux pas lire et te concentrer sur le jeu? Non, là c'est trop dur. Mais en fait, le jeu il est prévu pour que tu l'écoutes en anglais classique, quoi. Hein. Pas pour que tu le lises en même temps. J'arrive à comprendre en partie, mais c'est vrai que c'est quand même un confort de pouvoir entendre du français, ça serait pas mal. J'ai été choisi, c'est mon destin. Quelqu'un peut être un fou, Gérard! Seule fois juste d'avoir tourné dos au destin. Qui saute là-haut. Je vais sauver notre planète. Mais... je vais être le héros ultime. Il y a trop de bip. Je comprends rien à la trajectoire de mes projectiles. C'est-à-dire de mes balles, mais bon. C'est laquelle ma maison? Je la reconnais pas. C'est celle-là? On va dire que c'est celle-là. Pas celle-là. C'est laquelle ma maison? C'est celle-là. Oui, c'est celle-là. Qu'est-ce que j'ai envie? Je viens de tuer un alien. C'est peut-être un peu trop baissé. Vous pouvez me dire si c'est trop baissé ou pas. Comme GTA. Oh, c'est vrai que c'était chiant ça dans GTA 5, les dialogues en voiture, en pleine course-poursuite et tout. Parce que bon, quand t'es pas en course-poursuite ou je sais pas quoi, tu dis, bah franchement, moi c'était pas rare que bah, j'arrête la voiture ou je roule très doucement pour lire tranquillou. Mais c'est vrai que. Et ça fait tellement partie en plus du jeu, les personnages dans GTA. C'est vraiment un truc. Voilà, quand ils te racontent leur vie, c'est là que ça va être marrant, que ça va être what the fuck, que tu vas apprendre des trucs. Et c'est vrai que c'est tellement frustrant. Qui émet, disons, des micro-ondes. Je sais que c'est beaucoup. Genre un micro-ondes. Ouais, je comprends ton arme maintenant. Microbes traducteurs, ils sont contagions. Monsieur, t'es un paumé que toi. Sauf là de parler de micro-ondes, pas vrai? Donc va vers le micro-ondes. Proche les téléporteurs. Ah, je l'ai toujours à la main, je savais pas. Oh, d'accord. Ils sont des dieux. Ils existent bien et ils sont là. Attends, en fait. Ah non, c'est ça, voilà. Ah, c'est lui qui a tué Mr. Pilfrey. Don't resist. Toute tentative de nous affronter sera futile. La terre est la propriété du machin G3. Et où on va? Mais nos parents? Ah, la maison a été téléportée. Bienvenue à Blim City. Il vient de téléporter notre maison sur une autre planète. On sera en sécurité, Inky. Maintenant, fais-moi sortir. Mais c'est là, dans l'espace? On est dans l'espace? Ah, désolé, je sais que t'es secoué, mais ça ira. C'est toujours mieux que d'être les esclaves de G3, trop moins. On va retourner sur Terre, bordel. Pas possible. Les canaux sont simples. Et nos parents et les autres? On est parti pour essayer de les sauver. Est-ce qu'on peut les trouver? Je sais pas quoi, j'ai pas compris. De sortir dehors dans l'espace? C'est littéralement un épisode de Rick et Morty. Hein. Blim City, pas mal, hein. Il faut qu'on trouve Jean, ok. C'est cool, quand même. Franchement, regardez cet environnement, c'est vraiment très très cool. Avec la maison.
Et on a vraiment tout pété hein, sur le chemin. Et c'est la maison, ça. Listen, we're gonna have to talk to some of these aliens if we expect to find Jean. On va devoir parler à des aliens pour trouver Jean. Ah, c'est le lobby de Splatoon. Ça a changé Splatoon. La peinture, elle est violente, elle nous parle. C'est chiant. Hey, we're looking for Jean. On cherche Jean Zerodienne. J'espère des primes. Ma personne vit ici. Vous croyez que je connais ce type? Un inconnu au bataillon? Ah, je peux pas viser les gens. On va pas le tuer, ok? Gang, gang. Continue à demander, on va finir par trouver. Ok. Je vais parler à un alien violet. Oh! Je vais parler à cet alien violet. Cher Jean Zerufian. Non, je savais où il est. Il me doit 300 pesos. C'est pas le genre de Jean Zerufian. De devoir des pesos. Excuse-moi, do you have any idea where Jean Zerufian is? What? That's my name. C'est mon nom. Je suis Jean Zerufian. Qui est vous? Oh, attendez. Vous parlez du célèbre chasseur de primes qui a le même nom que moi? Sorry, I'm just some loser accountant. Désolé, je suis qu'un pauvre comptable. Mais oui, mais fonce pas dans moi, évidemment, tu te bouscules. Il a l'air super, les snacks ici. Blimp City's always been his headquarters, you know? We can't give up. Cherche Jean, quelle taille. J'ai été téléporté avec la télé, tout va bien. Et mon PC à l'étage, bordel. Don't even think about going down to the slums. Yeah, this is a maintenance only show. Réservé pour la maintenance, dégagez. Oh la tronche. Putain, on voit des panoramas de ouf. Someone has to know where Jean is. C'est trop beau. J'aime trop l'environnement, il est fantastique. Oh là là, j'ai envie d'avoir un stand de sushi ici. Ou de bouffe, quoi. Franchement, je veux pas tuer des aliens, moi je veux devenir pote. Jean! Oh. Jean. Qu'est-ce que je regarde? Téléportation non autorisée détectée. Blimp City Plaza fermé temporairement. Mais c'est notre faute. Oui, bah oui, tu aurais pu nous téléporter dans un petit quartier. Ah, faut un outil coupant pour ouvrir. Tiens, ouvre-toi. Effectivement, t'es pas coupant. Donc ça, c'est un coffre. Ça, c'est un coffre en fait. Le pauvre, moi t'inquiète, il a rien. Je connais super bien en alien coffre. Il a que dalle. Le... Pourquoi si tu qu'on est un téléporteur. On pourra bouger. Let's go. Je suis monté déjà. Ah oui. Ah oui, oui. En fait, elle est fermée temporairement. C'est pour ça que moi, je peux pas en sortir. T'as une sacrée endurance. Parce que je cours en permanence. Ah mais oui, mais c'est Splatoon, hein, regardez, on fait des tâches. Je ne vais pas lui dire adieu. Mais tu l'as fait, que tu le veuilles ou non, bro. Bon. Je rentre à la maison.
sous poids Summer. So, how is it out there? Is it scary? On pourrait nettoyer les têtes. Non, ça va. C'est cool, c'est l'espace. Rien n'a changé. Arrête d'en faire tout un flanc. J'avoue, elle en fait un petit peu les caisses, la gonce. Tout ça parce que sa maison a été téléportée dans l'espace. Ok. Donne un peu mal à la crâne quand je tourne. Est-ce qu'il n'y a pas un truc vidéo? Ah, le flou. Non, ouais, pas ça. Aberration chromatique, je sais pas ce que c'est. Ça devrait être un petit peu mieux. Je sais pas pourquoi je suis penchée comme ça. Désolée. Did you find that guy you're looking for? Non, on l'a pas trouvé. Bon. Bah on y retourne hein. Je me suis dit que peut-être il allait avoir une interaction avec la sœur. Je suis pas trop allée dans le resto là, on va y aller. Chasseur de primes, vie par ici. Chasseur de primes. Ah, elle est bien bonne. Allez, parfait. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? En fait, il s'en fout complètement de notre gueule, voilà ce qu'il veut dire, bro. Je comprends mieux les aliens que toi. Qui est un alien? Un flingue alien? Poster de Space Elephant, un thé de l'espace. Oh, un thé de l'espace. Un Space Tea. Oh là. Un couteau. Bon, il est où, Jean? Ils veulent pas me laisser passer. Eh, j'ai tout fait, là. Là, j'ai fait. J'ai été au centre. Faut peut-être que... Là, il y a un autre coffre. Là, je t'ai parlé à toi. Oh yeah, he's homeless. He's sleeping on the bench sur le banc. Juste avant qu'on ait plutôt. Ah, vite d'avoir pu vous aider. Eh bien, vraiment. Thank you so much. Shit. He's homeless. Bi. Du coup, je... Ah, faut que je cherche sur les bancs alors. Là, quelqu'un sur un banc. Bon, ça parle d'être toi, il y aura une interaction. You know, I wouldn't be surprised if he's just taking a quick outdoor nap in between big bounty hunting. Une petite sieste, you know, entre deux contrats. So I guess Jean's sleeping on a bench near here. Donc on trouve un mec qui dort sur un banc. Ah, c'est peut-être lui. Je me suis dit différent des autres. On a vu personne, hein. Non. On trouve un mec qui dort sur un banc. You know what, I bet the guy on the bench isn't Jean. It just doesn't really make sense to me. I'm you know, I was thinking you'd have like a big bounty hunting office, you know, we could visit and you know, a bunch of cool bounty. Tu dois être au bureau à faire plein de trucs. Ouais. Tu m'as dit des bêtises hein. Il est pas chasseur de primes, Dean. Faut que je trouve un mec sur un banc. Essayer de faire gaffe au banc. Oui, je cherche le gars sur le banc. Je cherche, c'est marrant toi. Et je découvre la ville. Je découvre aussi l'espace de manière générale. Oh mais oui, je suis pas allée par là. Oh, Little Chitali. Little Chitali. What the... Un jeu de mots. Oh, qu'est-ce que c'est ça? Je sais que ce petit machin. Faut te calmer deux minutes, y'a pas besoin de mourir. Ah, on peut plus s'amuser là. Ah, mais y'a des caca et tout. Un stand de caca. Oh, je sais pas ce que c'est que ces petits machins, mais je les trouve sympatoches moi. Lux in space. Ok, on a vu Little Chitali, c'est super. Mais j'ai pas vu de mec sur un banc.
Ah si, j'en ai vu, mais je pouvais pas interagir avec ceux que j'ai vus. Oh. Tous ces endroits où on n'ira jamais. Je connais ce genre de jeu, hein. C'est pas un open world. Un open world comme ça. Stylé. Là, est-ce que c'est... Il y a un banc? Non, pas du tout. Je vais lui demander à lui. Je vais pas lui demander à lui. Ça veut pas, en fait. J'ai pas de touche d'interaction, hein. C'est le flingue qui décide de parler aux gens comme il veut. Ah, mais là! Non. Mais c'est dingue, ça! Ah! Chris, je le voyais pas. Hello? Les gars, tu peux nous faire. Ça peut pas être. C'est pas toi, c'est le chasseur de primes. Qui le demande? C'est vraiment Jean? Ouais, comme sur les pubs. Oh la vache! Ah oui! Elle s'est demandé de l'aide pour combattre le cartel G3, mais. Est-ce que j'ai l'air de pouvoir aider quelqu'un? Viens de me faire virer de chez moi! J'ai même pas de putain de maison! Tu peux nous indiquer un ami 6 heures d'après? Toujours en activité. Et encore ses deux jambes. Ah oui, j'avais pas vu. Moi, oh, c'est super maison. Bordel d'où elle sort, cette baraque. Tu vas voir, hein. Ouais, c'est ma maison. Tu es de la hyène poilue qui l'accompagne. Peut-être vous aider. J'ai dit que je vous aiderai à combattre. Quoi déjà, le cartel G3? De la folie, mais bon. Comme tu veux. On va les tuer, c'est fait sauche. Fully operational bounty suit in my card over there. Really? That's convenient. J'ai une combi de chasseur de primes dans mon caddie, c'est ce qu'il a dit. Ouais, j'ai chasseur de primes. En cas de décès, je récupère la baraque. Qu'est-ce que je propose? Are you sure? I don't think they've even fired a gun before today. Je crois qu'il y a tout de poil et déjà. De quoi? Ah, et déjà utilisé une arme. This is a great deal for you. I mean, you get all my old bounty hunter shit. I might get a house. I don't know. Enough talk. Just be a gun. C'est toi, content d'être une arme. Toi, touffe de poil. Mais c'est la combi. Ah, c'est qui me prête sa combi. I can always just pawn this shit off. Okay, go ahead, try it on. What choice do we have? Ah, c'est ça. D'accord, c'est moi qui vais faire chasseur de primes et il va m'aider. Wow, elle va super bien. Tu as survécu à ton premier combat, c'est sûr. Attendez le coup, mais je sais pas trop. Activer la compi. Ah, clé d'activation. Et encore en mode d'essai. Dégager la licence. Il doit être dans la poche. La poche, c'est un peu. Ah. Oh, ça parle trop vite. Bonjour Jean Zarothian, c'est moi, suis tout ton assistant. Avant d'activer la mobilité, j'ai besoin de savoir si ton infoscanner fonctionne. Tu peux scanner rapidement la zone autour de toi. Ah, très bien, identifier ton objectif, se rendre au magasin de Monsieur Keep Prêteur sur Gage. Tu veux un point de passage? Ok. Ah oh, le tout est en ordre pour le... Tout est en ordre de fonctionnement. Désormais, te déplacer, Jean. Ok. Moi, il peut pas te courir après. Un petit point rose virtuel. Oh non, j'ai des pop-up et tout. Découvrez les secrets maintenant. Vous ne croirez jamais ce que fait Clug. Oh, putain. Oh là là, faut activer la licence, sinon j'aurai que des pubs tout le temps. Pénis de cheval 2.0. T'as remarqué, t'as échangé ton navigateur par défaut en pénis de cheval. Télécharger navigateur. Ok, navigateur, c'est galop. Oh, salut, Jean. Élargissez vos schlingas de 25 cm aujourd'hui. Fallait que je passe où?
J'arrive pas à me concentrer, j'avoue. C'est efficace, hein, j'arrive pas à me concentrer. Equipment Gene is setting up for us, huh? It's kind of exciting, you know, sorta. What's up, freak job? Greet the customer properly. Non mais je peux... là si je fais E, ça marche pas. We're your friendly neighborhood pie shop. Buy something or don't, nobody even cares. Job. Non mais arrêtez! Oh, so old Zaruthian doesn't feel like bon, ce bon vieux Zaruthian. Il n'a plus gagé sa licence? Il a gagné un pari ou quoi? Vous voulez sa clé de licence? Mais je la garderai. Je la garderai bien pour moi. Ah, c'est de merde! Attends, c'est son père qui lui parle comme ça? Ok! Licence activée! Maintenant, question importante. Veux-tu me garder comme assistant permanent? De combinaison? Oui ou bien sûr? Quelle fin de bâtard! C'est le meilleur choix que vous pouvez faire, à plus! Je serai bientôt de retour! Wow, not bad! It's got your vital readings, armor levels, even my biometrics! Gene really came through, didn't he? J'ai mes indicateurs! Just what this galaxy needs. Another good for nothing bounty. Un autre chasseur de primes! Sortez dans le magasin! Non, je voulais acheter des trucs! Oh! Je vais insérer des trash. Alright, bounty hunter. I guess let's head back to the house and check in with Gene. You'll find it, you'll figure it out. On va le retrouver. Ok, on va retrouver Gene. Hey, you can run, you know. Tu peux courir, tu sais. Je savais pas si t'étais au courant. Essaye d'appuyer sur le bouton à l'écran. Non, mais. Oui, non, mais je sais, hein. Hey, you can run, you know. I don't know if you can. Oh non, mais tout le monde va me parler. Je vais me faire ramener une petite fin de 23h. Allez, je teste, hein. Par contre, je peux pas virer les pop-up là? Merde! Ah, tiens, à ta house. Je suis dans notre maison, il appelle. Il faut que péter? Ce jeu était fait pour moi! C'est juste des petits bonhommes verts qui font rien que péter. Fait pour moi ce jeu. Ça, c'est des petits gars, juste ils marchent et ils pètent. Et oh, on pète jusqu'au boulot. Regardez, ils ont mis du caca partout. Ah mais littéralement. Hey, nice house you got here, real ritzy. Way better than my bench. Oh, wow, you really made yourself at home, huh? Oh, there you are. Who's this weirdo and why is he setting up a oh, ce mec, il pourrait installer un énorme ordinateur alien dans notre salon. Ah bon? C'est un bounty 500 000. Ah oui! Donc, je t'en prie. Qui a proposé le jeu? C'est moi. Mais ils ont vraiment mis du caca partout là, les psy gars. Listen, hairball. I don't know what kind of alien. Tu touffes de poil. Je sais pas grand chose des aliens comme toi. J'avance un peu à vue. Elle a peine là depuis 5 minutes et t'as déjà dit à cette alien chelou qui pouvait s'installer ici avec nous. Voilà ce qu'on a fait. Au moins ça fait beaucoup, mais. Merci beaucoup pour le raid, GTV. Merci. Mon jeu bug, t'as qu'à changer de jeu. J'aime trop qu'on m'emmerde dès le réveil. Peut-être même shit dessus. What the fuck? C'est chelou, normal. Chelou, pas vrai? C'est chelou. Sympa ta mère. Viens me voir quand tu seras dispo pour te mettre au boulot. Putain.
J'ai trouvé le meilleur waiting screen ever, non? On est d'accord? Okay, fine. Keep standing in front of the TV. I get it. You hate me and you want me to suffer. Reste devant la télé. T'aimes me voir souffrir, je peux encaisser. Oh là là! Eh, c'était trop bien, n'empêche, le premier truc. Comme waiting screen. Je vais faire un tour avant. Je vais voir si les petits gars qui ont fait caca partout et qui arrêtaient pas de péter, ils ont niqué ma chambre ou pas. So, what kind of stuff did you do? De choses tu fais ici, des trucs dégueu, hein. You have to tell me dire. Allez, allez, maintenant qu'on est potes. Bon, j'espère que ton live s'est bien passé. Et je pense qu'il s'est passé plus normalement que le mien. Bon bah, on va descendre. J'aime bien retrouver le truc d'avant. Bon, on verra après. On rentre dans le vif du sujet et quand est-ce qu'on rentre dans le vif du sujet et qu'on commence à chasser l'agent G3? Je crois que tu as assez d'expérience. Je crois pas que tu as assez d'expérience. Quoi de quoi? Il a dit niquer, j'ai vu. Je vais te faire passer un petit test d'abord. Oui, bah oui, j'ai jamais tué personne, je crois. Juste ce qu'il faut, une petite frappe locale du nom de Nine Torg. Oh! Elle a pris mon couteau préféré. Il nous faut un couteau. Tu l'as récupéré en couteau, on verra ensuite. On n'y arrivera pas à fond? Non, hein, Bounty. Utilise le Bounty 5000 pour rejoindre le fugitif. C'est pour ça que je me suis fait chier à installer tout ce bordel. Ok, j'ai pitié, gameuse. Let's go. J'ai attaqué le plaque télécom. Ouais, j'ai vu ça. Après avoir enchaîné le premier, j'ai du mal à rentrer dans le deuxième. C'est vrai que moi j'y ai joué à genre 2 ans ou 3 ans d'écart, donc je me rends pas compte. Mais je dirais que pour les personnages dans leur ensemble, à part Lucas, j'avais moins d'attachement. Voilà. Mais bon. Mais c'est vrai qu'en enchaînant, ça peut être un peu déstabilisant, ouais. Matriarche de la famille Torg, commande une famille de criminels à la petite semaine. Qui revendique des bas-fonds de Blim City. Alors, info vraie, j'ai toujours cru que c'était des criminels à la petite semelle. En mode des petits pieds, quoi, des petits criminels. Pose la question de continuer de suite ou d'attendre plusieurs mois avant d'y retourner. Peut-être, ouais. C'est peut-être pas bête. Si tu as envie, hein, parce qu'après, t'auras peut-être pas l'envie non plus. C'est vrai que si tu rentres pas au début dedans, bon, il va se passer des choses et tout ça, mais est-ce que la suite arrivera à te rattraper? Je suis pas sûre pour l'avoir fait. J'ai entendu criminel la petite semaine. Moi, j'ai déjà entendu, mais j'ai toujours cru que c'était petite semelle. Mais les malfrats, les... C'est pas forcément criminel qu'on met devant. Mais voilà. Constamment prise à la lutte de pouvoir avec ses propres clones. La sous-estime est pas. Mais je ne sous-estime personne, c'est mon flingue qui va tout faire. Hein. Merde. Ensuite, ces portes devraient s'ouvrir un passage qui permet de passer. Un passage qui permet de passer? Hermos, le fugitif, trouve à Blim. T'as dérangé la pied? Portail des bas-fonds n'est pas loin d'ici. Je vais réparer le bounty pendant que tu seras là-bas. Ouais, ça marche. Allons-y, j'espère, hein, de prime. N'oublie pas de récupérer mon couteau! Oui. Faut que je follow le truc. Arrête de m'engueuler, flingue! Équipé d'une réalité augmentée, ok? Non, désolé, hein, je voudrais jouer avec ma GoXLR, mais j'ai pas le temps en fait. Meurtre explose et l'approvisionnement en eau de la ville a été. Une fois de plus, machin par Gary. Bon, bref.
have once again backfired, this time making them far, far hornier than ever. However, there's something plaguing our city. Bon, c'est de la drogue. Hey, you don't have to run everywhere. Pas besoin de courir partout comme ça, hein. Faut ralentir à pousser le paysage une fois de temps en temps. Je le fais, c'est bon. Bonjour, est-ce que je peux passer s'il vous plaît? Hey, Kitka, excuse me, can we get our... Demain, on a besoin de rentrer dans les bas-fonds. Hold on. So you really want to get into the... On est vraiment rentrer dans les bas-fonds, hein. On va faire un... je sais pas quoi. It's fine, we'll help. Okay, great. Imaginez-vous que vous voyez un bar. Lequel de vous deux irez-vous draguer? Hein, de quoi? Que vous nous voyez dans un bar? What the fuck? Attends, il vient de me demander... La question pour passer, c'est imaginons. Vous nous voyez dans un bar, lequel des deux vous allez venir draguer? Oh, punaise. Rouge comme mes cheveux. On le passait juste pour lui faire plaisir, hein. C'est un grand garçon, il comprendra. Hein. Tu le trouvais nettement plus moche que moi. Ça, dis-moi, c'est moi qui sont choisis. On dit c'est moi le canon et pas toi. T'as vu, je mens pas, mec. J'ai jamais menti. Je vois trop ta tronche, ça me file la gerbe. Et ça se... En fait, c'est le bleu le plus chaud. Non, c'est le rouge le plus hot. Merci, Vente Divine. Merci de pas avoir changé d'avis. J'ai vraiment trop que vous avez changé d'avis. Putain, changez d'avis tout de suite. Choisissez-moi plutôt. C'est dingue, je suis tellement plus canon. Tu vas te calmer, ils m'ont choisi, c'est tout. Point final, fais pas ta crise. Au fait, t'as fait plutôt. Cette jambe, mais... laisse-moi profiter de cet instant. Merci d'être honnête. On dit à personne, mais ma porte est grande ouverte. C'est un petit secret. Accès libre pour entrer et sortir des bas-fonds. Merci, bro! Des voleurs super sneaky avec des tout petits pieds légers. Oui, c'est ça! Comment tu m'as accroché à l'univers de Rick et Morty? C'est marrant, mais c'est pas ma cam. Assez spécial, hein. J'avoue que j'aime beaucoup les délires what the fuck qu'il y a dans Rick et Morty. Et le YOLO total qu'il y a souvent. Enfin, j'aime beaucoup, mais c'est très spécial. Du mal à accrocher un ou deux sketchs, ça passe. Ah, une ou deux scènes, tu veux dire. Après, là, vous avez un exemple peut-être un peu plus lourd dingue que ce qu'on aurait dans des épisodes. Parce qu'il faut savoir que dans Rick et Morty, il y a aussi... il n'y a pas que des trucs what the fuck et de l'humour. Il y a aussi des moments assez... assez touchants. Ou très dramatiques. Même si je dis ça, mais les dernières saisons, les deux dernières, j'ai pas regardé parce que, bah, comme d'hab, je sais pas où les regarder en fait. Donc je peux. Voilà, je parle surtout des trois premières. J'ai pété la jambe, descendre dans cette canalisation, fais gaffe! Oh oui, il s'est pété la jambe! J'y suis allé. Allez, viens de frais. Tu veux quoi? C'est juste un gamin, lui tire pas dessus. Tu vas pas me tirer dessus parce que ton arme ne veut pas. Juste à cause de ta petite arme. Regarde comme je suis disponé à me faire buter. Je tire pas sur des enfants, moi si. Ah super, je pensais qu'on aura le droit de tuer. Je pensais pas qu'on aura le droit de tuer. En principe, on tue pas les enfants dans les jeux, mais il est mort. On a tué un gamin, bravo. Le gosse est mort. Notre classification tout âge va en prendre un coup. Tu peux pas faire ça dans Fallout, c'est le succès. J'ai débloqué un succès qui s'appelle littéralement « Tu peux pas faire ça dans Fallout ». Oh non. C'est très référencé aussi, c'est ça que j'aime bien dans Rick et Morty. Ça va fourcher avec mes doigts. Qui a regardé Archer? J'ai pas mal regardé Archer et puis j'avais un peu arrêté à une saison qui se passait dans la jungle. Et puis je m'ai repris. Et je regrettais un petit peu que chaque saison soit totalement indépendante au bout d'un moment. Je regrettais un petit peu ça. C'est comment là-haut? Calme-toi. Oh, hey.
Ouais, je suis toujours là. Je sais pas quoi. Ok. Mon arme veut pas que je te parle des autres, bro. Attention, citoyen Blim City, vous portez une combinaison de chasseurs de primes non enregistrés, préparez-vous à mourir. Quoi? Comme ça? Moi, quand je suis un enfant, c'est plus justifié. Réservoir de Durashield. Votre combi de chasseur de primes régénère automatiquement votre vie après avoir été endommagé. Les ennemis peuvent lâcher des réservoirs de Durashield qui donneront à votre combi un bonus de protection. En plus de rétablir vos points de vie. Cool. Mais si on y va en fait, hein, j'ai dit tous ces endroits où on n'ira jamais. Ben, on y va un peu quand même. Hein. Contente. Me poser dans mon coin. Merci pour le stream, bonne soirée, des bisous à tes. So, bonne nuit. Enfin quelqu'un. Quelqu'un a tué mon fils. Ouais, ce gosse là-bas qui appelle tout le monde viande fraîche. On s'excuse, ne vous habituez pas. On va pas tuer des gamins. Je vis à la limite. Alors profitez, maintenant c'est fait. Refermez le livre de vos souvenirs. Non, ça va, il avait 30 ans, alors ne vous faites pas de bile. Pour notre espèce, 30 ans est toujours un ado. Donc ce n'est pas aussi grave que de tirer sur un gamin de 5 ans. Donc ne vous inquiétez pas, c'est juste un meurtre standard. J'avais mis en garde plusieurs fois, je lui disais « Arrête d'appeler les gens viande fraîche !» Bon, Atari finira par se tuer sans froid. Et vous l'avez fait, tant mieux. Tant mieux pour vous. Ouais, laissez-moi faire mon deuil. Salut Timéo. Je peux lui reparler? Mon fils, stupide et chiant, il va me manquer un peu. Un tout petit peu, il va me manquer un peu. Vraiment? Bon bah, go hein. Désolé, mais c'est vous qui avez dit hein. On va devoir tuer quelques fantassins. Ils pensent qu'on est faible. C'est hors de question pour moi. De quoi? J'entends parler. C'est qui parle? Réplique. Ah, ils sont là! Oui, bah deux secondes, on a le temps. Je visite un peu, hein. Ils m'attaquent pas. Ah oui, ma vie. On ressent pas d'impact quand on est touché. C'est assez perturbant parce que maintenant c'est... Maintenant c'est assez admis que... dans un jeu tu te fais toucher, t'as un... Là que l'ennemi, hein. Mais je joue plein de vie donc ça va. On trouve quelqu'un pour nous aider. Oui, là on est bien parti pour trouver des gens qui voudront être sympas avec nous. Oh, y a un passage sous l'escalier. Utiliser ton scanner. Le truc de ta combi. Oui, je vais faire ça. Ah non, dans le truc toxique. Mais comment je veux savoir que c'est un truc toxique? C'est quoi le but? Bon, ça dépend de la mission, mais là je dois trouver quelqu'un et la tuer parce que je suis chasseur de primes. Mais mon but total, le but de mon personnage, ce sera de retourner sur Terre. Trouver un moyen de retourner sur Terre.
et de sauver la Terre. Tiens, tu vois, c'est sympa. Ah, là. Non. Non. Là. J'ai pas écouté sur quoi il m'a dit de tirer, j'ai pas fait gaffe. Je suis seul, tellement d'informations que j'aimais partager. Je suis là, si à pêcher en attendant que quelqu'un vienne me demander un truc. Il a pas dit à si à pêcher. Bonjour mon ami, je peux t'aider? Ah oui! Que vous faites ici? Vous savez où se trouve machin? Je connais que les poissons encore, mais imaginons qu'il y ait une laverie automatique par laquelle je peux passer pour atteindre Sludgeware. C'est semblant ou une vraie laverie? Pas compris la feinte. Ah oui, il a pas envie de se faire tuer pour avoir balancé. Du chemin long de cette bouillasse. Comment vivre ici? Are you serious? This is one of the pire endroit pour vivre. Ça saute pas aux yeux. Tu regardes autour de toi et de la bouillasse partout. Et cette bouillasse est toxique. Cette bouillasse a vraiment l'air dégueulasse. Heureusement qu'elle est là, c'est le moyen le plus rapide pour s'enfuir. Saute là-dedans et tu reviens plus jamais. Quoi? Mais elle est toxique. Et qui la meuf? Elle a des oreilles partout, des antennes, je sais pas comment les fourmis entendent. Elle est vraiment dangereuse? Je veux dire que c'est une chef de gang? Ah, il y a 9 torgs. Ah oui, il y a 9 clones de elles. Elles étaient beaucoup plus avant. Elles se tuent entre elles, luttant pour le pouvoir. Sur quoi? Nine Torgs est la chef ce mois-ci. Le mois dernier, c'était 14 Torgs. Désormais, Nine Torgs se bat contre 5 Torgs. Ok. C'est étrange, tout à fait. Qu'est-ce que vous faites ici? Je pêche, ça se voit pas, non? Et ça mord? J'ai jamais rien attrapé. Aucun poisson ne peut vivre dans cette bouillasse. S'il n'y a pas de poisson, vous pêchez. Pourquoi vous pêchez? J'essaie encore de trouver le courage de me noyer. Wow! J'ai pas besoin de savoir autant. Let's go. On va chercher Nine Torgs. Une chef de gang. Faut que je descende. Elle me dit d'aller là. Bah je suis là. Faire un tir de flegme. Ok. J'ai rien compris. Faut que je fasse quoi ça? La plateforme qui ont de la gélatine verte dessus. Mais je vois pas de plateforme avec de la gélatine verte dessus. Je comprends pas ce que le jeu me demande là. Des plateformes avec de la gélatine verte. Ça ? C'est la plateforme que je vois de toute façon. Le mur. Mais le mur en fait, c'est moi qui ai fait ça, non? Ah d'accord, pardon. C'est pas une plateforme du tout. Ah, jusqu'à quelle heure? Oh, bah je sais pas, ça dépend. Je sais pas, jusqu'à 2h du mat, un truc comme ça. Ah oui d'accord. Bah merci silence. Ok. Non, maintenant quand j'aurai fini, mais j'y touche pas. De quoi? Mince, qu'est-ce qu'il m'a dit, Jean? Il m'a dit un truc et j'ai pas pu lire. Qu'est-ce qu'il a dit, l'autre? Bon, bref. Ah bah, mon tab, il marche plus. Ah non, c'est T. La tab. Je sais
C'est quoi, c'était ça? J'adore tirer des grosses boules de flegme. Pardon. Le quartier de la laverie. Don't shoot. I got an idea. It's another trick up my little slimy sleeve. Try hitting him with my glob shot. Take your time and aim right. You're gonna kill us now, aren't you? Oh, God. What? Don't do that. Whoa, perfect shot. You fucking nailed it. How sick was that? Phew, okay. I got a dit que je déchirais. It doesn't take too long, but it's a little longer when there's nearby. You know, my body gets too tense. It's like trying to piss when someone's watching, you know? Ok. Les compétences des orifices de capacité, putain. J'entends un vocabulaire que je ne comprends pas. Hein. Attends, t'es un sonneur. Sur les ennemis qui ont été lancés en plein air. Retire de flegme. Ok. D'accord. Ah, il est mort. Mince, on me tire dessus. Un coffre encore ici. Oui, oui, il faut des trucs pour découper. J'ai compris. J'avoue, ça parle beaucoup. Non, en fait, j'ai 5 heures. Moi, faut que je dorme, bande de fous. Tire pas sur le hookbug. C'est quoi? C'est probablement, je sais pas quoi. Mais d'accord, je peux tirer dessus. Moi, je l'ai fait en fait. Mais... Il dit please, don't kill me, please, en me tirant dessus. Alright, this has to be the way to 9 torque. Let's keep moving. Oh, hold up a bit. Let's listen. Line up and everything. They're gonna be here any minute. Just be patient. Patience. Oh, fuck you. J'en ai plein le cul, je veux tailler des viscères. Oh, I think they're talking about Jean's knife. Attends, fuck you. Got it, freak. We've had enough of your bullshit. Yeah, it's your fault. Désistez-moi. Oh non, mais trop chiant. Oh non, il est trop chiant. Je sais pas comment avoir la vision que j'ai d'habitude. Excusez-moi. Je gère un truc. Ah. J'aurais pas dû faire ça. Voilà. Désolé, je suis là. Je cherche OBS. OBS est là. Ok. La faute de Stavilax est mort. Clément, tu sais. Il s'est fait découper la tête. C'est l'ordre des choses, l'emmerde. Moi, j'ai un petit secret qui pourrait utiliser la persuasion. Essayons de les calmer, frappe à la porte. Oh, je serai libre. Je vais tellement vous dérouiller que vous allez regretter. J'ai envie de te balancer à la bouillasse. Attention à lui, bébé. Il essaie juste de t'énerver. Merci, mon amour. Vraiment les mots pour me calmer. C'est une bonne chose que Stevie soit mort. Parce qu'on s'est rencontrés. Oh, bébé, je t'aime aussi. Oh, il s'aime, c'est cool. Les gueux, j'ai pas envie de voir ça. Faites ça ailleurs. Va te faire foutre. Who's there? Who are you? Qui êtes-vous? Hello there, friend. Hey, les amis. Oh, c'est l'acheteur. C'est vous l'acheteur? Je suis là pour laver mon linge. Je suis l'acheteur.
Je suis ton amour, Stevie Lax, de retour d'entre les morts. Ah, je vais dire ça, je crois. Non, je suis pas acheteur. Oh, oui, je dis ça. Non, c'est moi, ton amour, Stevie Lax. Je suis back from the dead. Quoi? Oh mon dieu, bébé, t'es vivant. La voix semble différente, par contre. Let's play along. No shooting. Non, dans leur sens. Bah, il va reconnaître que c'est pas moi. N'êtes pas Stevie Lax, mon amour décédé. Vous êtes juste une personne. Oh, belle fin, vous m'avez eu, bravo. Apparemment, cet acheteur est un sacré farceur. C'est un gros délire, cette vanne va bien me niquer. What the fuck? Montre-lui le produit. Voilà le produit, un couteau qui part. Je vais pas vous mentir, c'est une vraie tête de con. Il est super violent. En fait, il ne fait que dire qu'il veut nous tuer de tout. Il veut tuer des gens, de façon très bizarre. Je vais t'agrandir ton trou de balle. T'auras trois fois plus grand. T'auras plus moyen d'empêcher ta merde de couler. Oh, perfect. That's exactly what we're looking for. Yeah, yeah, great. Go ahead. Feel free to inspect it. Try him out. See how he feels in your hand. Yeah, yeah, fucking free me. Let's go. Let's go psycho on these fuckers. Ça va, t'inquiète, à fermer. Come on, what are you fucking waiting for? Pick me. Oh, fuck yes, thank you. Please. Attendez, je vais me bouger. Oh, just a reminder, don't do anything crazy when you're holding the knife. Just like look at it, see if you like it, put it back. Yeah, thank you. Hey, nice swing. How'd it feel? What the fuck you missed? Oh, fuck yes, finally. You have no idea how long I've been thinking about this. Je voulais pas le tuer. Oh god, this feels amazing. Oh no, oh no. I know when I should leave. Oh god, I'm getting out of here. Yeah, yeah, come on, get him. You know, in some sick kind of way, I always knew this is how I'd die. Stabbed by a talking knife. What the fuck are you doing? You can't stop now. We've already started. Kill the tu fucking quoi, t'arrêtes pas maintenant, t'as déjà commencé. Pas me tuer, hein. Je ne sais pas si vous avez une autre option que de me tuer, ça semble normal, vraiment. Genre, oh, il a le couteau. J'ai pas le couteau, mais pitié, faites pas ça, j'aime la vie. C'est sûr, j'ai perdu des gens très proches. Je suis célibataire, là. Vas-y, tue, quoi. Merci à Vardalou. Pote-moi en direction de ton bide. On va cisailler ses belles entrailles. Oh, de la putain de tétine rouge dégoulinée. Non, merci. Prends-moi un couteau. Apprends-moi tout de Jean. Comme ça, je pourrais décapiter cet enculé. C'est pour jamais je lui pardonne de m'avoir laissé à cette pute de Nine Torg. Tu connais Nine Torg? On essaie de la tuer. Super, on est enfin sur la même longueur d'onde. Grand Nine Torg. Puis Jean. Avec mon petit crabin. C'est pas juste un couteau, ça, le raciste. Ok. Genre comme ça? Ah ouais. Utiliser pour frayer un chemin dans cette bouillasse. Effectivement. Oui, pas de secondes. Wouhou! Ouais! Je peux pas remonter. So you mentioned that Jean gave you to Nine Torg? Cave? Try gamble me away in a game. Il m'a perdu en une partie de poker spatiale, cet enfoiré. Ah, d'accord. Je pensais qu'il l'avait vendu, moi. Even the wonky one. Especially the wonky one. Hate that one. If you're looking for Nine Torg, we're going the wrong way. Me tue pas, j'ai 57 enfants à nourrir. Ce serait possible. Des fourmis. Oui, oui, j'utilise mon scanner, mais je visite un peu là, du coup je peux aller sur des toits et tout ça. Bah quoi, Jean, c'est un vrai héros? Ouais, il en peut, qui lui peut, hein? Ça va être lui pour faire des.
Tes sandwichs tout pourris. Ça dégoûte. Ah oui, non, mais c'est vrai qu'il faut que je regarde par où je vais aller, moi. Voilà, ok. Easy. Well, what's this Nine Torg character's deal anyway? She's the current matriarch of the Torg family. I say current because they're always killing each other for the top spot. Nul. You know how it is with clones. Y'a pas un... Voilà. Ok. Je sais pas où je vais. C'était limite. Oh, a lug locks. I can open those fuckers up real good and there's loot inside for you too. Win-win. Yes. Ah, mais je suis revenu là, mais qu'est-ce que je fous là moi? Here we go. Ah oui, d'accord. Et après je fais ça. OK. Ça bouge bien hein. Ça ok 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 ah faut que j'ai tout là-haut mais voilà ben là je ne sais plus là ah oui il y a un truc en gélatine c'est quoi déjà ah, c'est ça. Pas de coffre? Je pense pas. Oh, je suis tombée. Yeah. Pas de coffre non plus en fait. Je vais redescendre. Ok, ouf. Voilà, j'ai pu vérifier. Mais c'était stylé comme move. Salut, Moglobin Dark! Ok. Ok. Ah oui, il veut tuer tout le monde. Je fais ce que je peux, deux secondes. Il est beaucoup trop jouasse ce couteau. Oh, hey, there's some Gatterol. That'll fill me back up. You know, I mean, listen, if you're not gonna pick up the Gatterol, I'm just gonna le Gatterol. C'est quoi le Gatterol? Do you not see the Gatterol? You use your scanner. Like, I need that. I need it. Pardon, pardon. Come on, what are you waiting for? Grab the Gatterol. Up the Gatterol. Come on, what are mais you ta waiting gueule for? Grab the Gatterol. Do you not see the Gatterol? You use your scanner. Like I need that. I need it. You know? I mean, listen, if you're not oh, thank Jesus. Okay, feed me that Gatterol, baby. Come on, put it in my little mouth. Comment je te remplis ta petite bouche? Pardon, excusez-moi pour cette phrase. C'est lui qui a dit remplis ma petite bouche. J'ai plus rien doute extrêmement sexuel dans le jeu. Oh, sludge works. Nine Torch should be here. Who's out there? The legendary coaches. And they've obtained the fearsome knife of death. Oh, les moves stylés que j'ai fait là. Ça sert à rien, mais c'est stylé hein. Mince, et il est où le couteau? We're unstoppable. Is this bloodlust? Am I feeling bloodlust right now? Oh yeah, man. That's what I'm talking about. Now you're getting it. Oh man, I guess I am. Je sais plus comment. Voilà. C'est ça. Tout le monde y a un coffre.
C'est bien ce jeu. Oh bah c'est une surprise sympa, ouais. Je sais pas si après je le ferai au-delà de ce soir, c'était que j'avais envie de le tester. Mais moi ça me fait rire en tout cas. Et puis je trouve l'environnement vraiment très cool. Par contre ça jacasse et ça parle très vite hein. Difficile à suivre parfois. Oui, bah je murder comme je peux. Après, différents modes de difficulté. Du coup, si on veut vraiment avoir du challenge avec des persos qui ont de la vie et tout ça, on peut choisir le mode difficile. Let's go get Nine Torque. Ok, allez où Nine Torque. Ok. Avant, je cherche des coffres. Il y a pas de coffre. De pesos, c'est en Espagne. Et la monnaie, c'est les pesos, oui. Tout à fait. I've always said you were the worst Torque. You know, Seven Torque said the same thing. Right before I killed her. Damn you! And you're next. Là, c'est des clones qui se battent pour le pouvoir. Ouh! Oh non, j'ai raté! Oh, ça dégoûte. Elle se rejette toute seule! J'utilise le couteau. Oh, elle se régène en permanence, non? Ah non, pas du tout. J'ai des bêtises. Je fais ce que je peux, hein. J'essaie de t'utiliser couteau, mais c'est pas facile. Hein. D'accord. Ah, je suis où? Je suis en l'air. Enfin notre vrai boss fight together. Elle est où? Tous très impressionnés, crois-moi. J'ai eu un nouveau succès parce que j'ai fait 5 tirs sur un mob en l'air à cause de mon explosion. Du coup, le succès s'appelle « On est tous très impressionnés, bravo ». Vous l'êtes dans le chat, n'est-ce pas? C'est officiel, c'est là que c'est meilleur. Hello Gamepad! C'est pas en Espagne, effectivement en Espagne c'est des euros. Non mais il y a des clones. I really didn't know if we'd be able to pull it off. All right, it's time. Time for what? Time to call out a piece of de la dépecer. With a full slab of... Oh god, let's go. I can't. Oh, fuck, no, she's a gus.
On aurait pu juste prendre une griffe, de la bave, un petit échantillon de sang. On aurait pu. You for killing my evil clone. I don't mind if you mutilate her corpse, really. It's fine. You did such a good job. That was like off the hook. You're not gonna take over and end up being just as evil as Nightcore, j'espère que tu vas pas être aussi méchante que Nightcore. Don't worry. Things are gonna be a lot different around here. So no more crime. Il est meurtre, d'accord. Pas si différent que ça. Nous les Torgs, on est des clones méchants, donc je vais pas arrêter des meurtres. Mais ne craignez rien. Pour ma part, je fais partie de la famille Torg maintenant. Tu fais partie de la famille Torg. Tu seras un Torg honorifique. Tu seras Tentor. Ok, je peux pas te libérer. Ah si, je peux. Je descends tout seul, j'adore rester accroché en hauteur. C'est bon pour mon manteau. C'est moi qui suis venu m'accrocher là. D'accord. Donc on la laisse comme ça en fait. Comment je m'évade sans mourir? Mais il y a un coffre là, je veux prendre le coffre moi. Mais non, mais je veux le coffre! Merde, j'aurais dû faire pendant le fight! Torg lui le coup! Il a bien défoncé en fait. Faites-moi un expert maintenant. Vous avez la gueule de Jean quand on lui quand il verra. Bref. On sait pas pourquoi il nous a attaqué. Ah bah il nous a pas vraiment attaqué en vrai. Moi là je l'ai tué avant qu'il attaque. Pour détecter les Luglox. C'est un indicateur de bleu. Quoi les Luglox? Hey, c'est Lizzie, c'est lui Lizzie. Jean m'a branché sur ce messenger. Ok. Il dit que t'es mort, mais il raconte que des conneries. Toujours là-bas, pas vrai? Est-ce que tu peux essayer de trouver de la nourriture que les humains peuvent manger? Pas con ça. Je vois bien ça en vrai aussi. Bonjour à tous, bonsoir! Peut-être balader un peu, tu sais. On va partir par le tunnel qu'on a pris. Tu te souviens, le tunnel? Oui, pas deux secondes! Tu me dis qu'il faut que je cherche des trucs, je cherche des trucs! Oh là là, le jeu il arrête pas Il me force à me précipiter. Voilà. Mais par contre, je comprends pas. Voilà, des points, je sais pas à quoi ils correspondent. Bon, tant pis. Non, pas maintenant! Il y avait des coffres aussi, on avait trouvé des coffres. Je sais qu'il y en avait un en haut d'un coffre. Je sais plus où il était. Ça sert à rien. Bon. On a battu le niveau 6-4 en seulement 554 minutes et 30 secondes au lieu de 154 first try. Oh putain. T'as fini le count des sauts foirés. Même si bon j'aurais pas le droit à mon pourcentage, enfin bref. Ce serait quand même plus juste, mais enfin bref. Vous pouvez régler la fréquence à laquelle vos armes parlent en dehors des moments narratifs importants et modifier les paramètres. Oui, j'ai mis occasionnel. C'est déjà pas mal. Non, je vais pas le tuer. Welcome back to my amazing fuck you. Bon, pourquoi Antémonie est en pleine déprime? Ah mais en pourcentage, saut réussi, saut foiré, ça donne quoi? Bon allez. Terrible empoisonneur, les puces réglant le libido implanté, machin, j'arrive pas trop à lire. Rendant nettement plus chaud que d'habitude. Consultez le forum des chasseurs sur le menu pause pour des conseils sur le combat.
Terminer les filles pour gagner des pesos supplémentaires. J'ai des pesos, on va pouvoir acheter un truc. Ou deux. Oh, c'est les petits gars qui pètent, ils sont partis. Ok, t'es vivant. Tu sais juste pas quoi répondre à ces messages. Je sais pas comment répondre. Mais qu'est-ce qui... Pourquoi il y a un verrou à ma porte? Bah oui. Who is it? You got my munch dash delivery? What? No, it's us. Non, vraiment? Au travail, attendez. Jane, t'es prêt pour toi. Tu me plantes dans son gros bide. Il a mis un verrou à notre porte. Oh non, mais c'est encore du caca par terre. Encore plus de caca. What the hell, Gene? He installed new locks because he assumed you'd get killed. He keeps saying it's his house now. What? No. Il arrête pas de dire que c'est sa maison maintenant. Mais non, je me suis juste permis d'améliorer la sécurité. On l'a fait. On savait pas que tu réussirais. Ça me trouve le cul, pour être honnête. Je pensais que t'allais te faire zigouiller. Sympa le mec. Alors ça fait quoi, Gene Hentorg? Pour être honnête, c'était top, carrément mortel. Jane, vas-y, enlève ton t-shirt que je vois ton bidon, ton petit bidon. J'avais oublié à quel point il était taré. Je vais le garder avec toi pour l'instant. On va le garder pour l'instant? Merci. Attends, on va échanger ta prime au Bounty 5000. J'ai tout installé pour toi. Laisse-moi te planter. Laisse-moi le planter, pardon. Ok, let's go. J'appuie sur F. En QWERTY, c'est autre part le F, c'est ça? Hop. Donc c'était E, c'est pas F. Il y avait écrit F. Je suis pas folle. Remettre. Well, there you go. You're a real bounty hunter. Voilà, t'es un vrai chasseur de prêts maintenant. Attendez-moi, j'ai l'impression que c'est... Hein? I didn't expect you to get your foot in so quick. J'espère que tu seras la main si vite. Et bon, on doit se charger d'un fugitif très fort. D'après les syndicats, on a foré beaucoup de sauts. D'après la police, Trappy a foré beaucoup de sauts. Achetez des trucs, ça te fait plaisir. Merci, Jean. Juste un truc, la prochaine fois. Tu pourrais, j'imagine, arrêter de dire qu'on va mourir, je crois que c'est ça qu'il lui a demandé de dire. Ok, c'est un bassin. Il met un seigneur du crime dans les bas-fonds. Comment ça se passe là-bas? Il y a des magasins intéressants ou c'est déprimant? On dit que les bas-fonds sont vraiment déprimants. Probablement pas y aller pour être honnête. Mais c'est un truc de fou que tu es un seigneur du crime. C'était une femme en plus. C'est très féministe de ta part d'avoir buté une femme de pouvoir. Quoi? Look, I know Mr. keeps annoying, but you gotta put up with him and buy back that Dodge unit. Ouais, mais laisse-moi regarder la télé 2 secondes. L'actrice, elle me dit, je reconnais pas l'actrice, mais elle est connue, cette actrice-là. La musique, par contre, elle est peut-être connue aussi, je devrais peut-être arrêter. Désolé. Une vraie actrice, mais oui, oui. Comment elle s'appelle? J'ose pas regarder, je... Tu es qui? Chacun, non, non, s'en fiche, ça. Yeah, well, the only great is when you win.
C'est un vrai film, c'est un vrai truc, what the fuck? Regarde ce que je regarde. Vous croyez que je peux avoir des problèmes en regardant ça en live? Genre c'est pas très free copyright tout ça, non? Je sais rien. Mais oui, elle est connue, elle, mais j'ai pas son... Qui es-tu? So. You shouldn't have done this. I can't accept it. Oh, elle peut pas l'accepter. Pourquoi? Parce que. No, exactly, why not? Tammy, you can't live the rest of your life being scared of someone. Bon. It's not worth it. Don't you understand that if he hurt you, I would never be able to. Faut que je parte. Ah mais non, faut que je parte par là, je crois. I know you're not what you should be. I just can't do it. J'ai peur pour les copyrights en vrai. Mais ça m'intrigue. Mr. Kipps? Who's there? Who's that? When you buy this for yourself and you can never have to deal with this. Hold on. Wait a second, get out of here. Ever again. Hello, I'm Darren Mindbanger. Everyone, gather around. I'm about to do a really crazy trick. What? We can't hear you. I'm about to bang your mind. Show me what's in your pocket. What are you doing? I will guess what's in your pocket. Get the fuck away from me. What okay, are you... I have a deck of cards. And one of the cards is marked with a signature. You're like grabbing at me. My arms just kind of do whatever. Ah, l'acteur de Fast and Furious, peut-être, ouais, j'avoue, le blanc un peu. On dirait un vieux film, hein. Enfin, je veux dire. Pas que l'esthétique. Genre l'actrice pour moi, elle ressemble plus à ça maintenant. Oh, ma lampe. Situation where you have to put all your pills in like a first day through last day kind of container. Désolé, j'arrête. J'ai trop envie de découvrir ce que le jeu a préparé. Putain! J'essaie de rallumer ma lampe, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Actually, I don't know if I can say that. Maybe pillpeople.com is taken. Oh, it's for sale. Excusez-moi, il se passe rien, je vais faire des trucs. Excusez-moi. L'actrice dans Starship Troopers. J'ai pas vu Starship Troopers. Comment il s'appelle déjà le Fast and Furious qui est décédé? Les plus longs. Une vieille unité avec cette combi. Vous la voulez? Je la veux aussi. On va mettre le prix. On sait marchander. Ah oui? Je ne sais pas moi. Acheter une unité des. Mais... Ah, elle est là. Katana. Oh! Elle est où l'unité d'esquive? Elle est là. 1000. Merci pour la transaction, on achète rien d'autre. On peut essayer d'esquiver sans ce truc, mais ce sera pas aussi efficace et pas aussi cool. C'est comme ça que les professionnels esquivent. Les quoi? Professionnel. Denise Richard. Attendez, je regarde. I need to know. Ah bah du coup c'est vraiment un vieux film qu'on a vu alors. Mais j'avoue, ça ressemble. J'ai trouvé l'actrice, Joey King. Ah. Joey King. Non. C'est pas Joey King. Hein, Denise Richard, ça a l'air d'être plus ça. Autre à pile, hein. Attendez, je vais regarder des images. Il y a des trucs qui pètent hein, dans mon écran. I'm
sorry about my son. His mother really screwed him up. Potty training. Dennis Richard Young. Je vais mettre. Ah bah Yadia Young. Pour voir si c'est elle. Ah je suis pas sûre en fait. Attendez, on va voir ça. Je rentre à la maison, on va voir. Have a nice day. Et si, pourquoi tu fais trois petits points rapides, ça va pas? Merci pour votre visite, à très bientôt. Mais j'aime pas, il me spam lui tout le temps. Ok, chelou. C'est pour esquiver. Oh non, mais c'est pour esquiver, non. C'est pas esquiver avec C, ça chie. Ah mince, y a plus le truc. C'est bien Denise Richard. That's the next step, taking down their head officers. Okay, you're positive that we're ready for that? Yeah, whatever. Might as well try. But they won't be pushovers like Nine Torque, so well, to be honest, I don't care if you live or die. You know that. You know my whole deal. But hey, it's your funeral. So go check out the 5,000 when you're ready. Oh, attends, j'arrive pas. Voilà, m'énerve. Et puis il s'est endormi. Ouais, je sais pas. Écoutons, soyons doux avec cette vieille personne. Alors. Ah, je sais pas quel film ça pourrait être qu'on a vu juste avant. Pas du tout. Mais si vous êtes sûr que c'est Denise Richard, je vois ressemble, mais je sais pas pour autant si c'est elle. Moi, je pense que c'est pas elle. Ah si, non, si ça. Ah, je sais pas. Si ça doit être elle en fait. Ah, je sais pas. Douglas, you can pick which one you want to let kill you first. On a quatre pattes et des poils et c'est un chat, ah, d'accord. Go, go go, 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 si tu veux, c'est moi Lox. Ah elle est là. Et salut Jean Roquefort. C'est Denise Richard. J'avoue elle ressemble quand même, ouais non ça doit être elle, ça doit être elle. J'avoue. Stel. Ok, on a notre réponse. Ok, j'arrête. Faut que je fasse le bounty, pardon. The T-Rex. Avec Paul Walker. Denise Richard, ça c'est fou. Ils ont vraiment mis un film. Et j'arrête d'avoir des soucis. Alors faut que je choisisse qui je vais tuer. Attendez, c'est chiant. Voilà, j'ai le son. Bon, 94 voix, j'ai vu la liste. Ah, c'est rigolo. Bon, bah, je vais arrêter la VOD là-dessus. Bisous VOD. C'est découverte de Ryan Knight.